Bonjour à ceux qui vont écouter la vidéo. Cette fois, je vais parler dans cette vidéo des stations de ski en France où j'avais l'habitude d'aller. Mais j'ai dû arrêter tellement la qualité s'est détériorée, puis tellement on est harcelé, menacé et mis en danger, bien sûr, par ceux qui prétendent assurer la sécurité, comme les gendarmes et les autorités. Donc là, je reprends une partie d'un témoignage que j'avais posté il y a quelques années sur un site internet. Donc en fait, je suis allé au ski depuis le. En début des années 90, je ne sais plus exactement, quand je commençais d'avoir une dizaine d'années, à peu près par là, parce que j'ai de la famille qui habite à côté d'Annecy, en fait, donc on pouvait aller dans les stations, les grandes stations par là, sans trop de problèmes. Et puis je me souviens que c'était pas mal, la nature est comme ça, mais petit à petit ça s'est dégradé. J'ai remarqué que ça a commencé de se dégrader sérieusement avec l'arrivée des snowboards. Je me souviens de la première année où les snowboards sont apparus, en fait, déjà le problème c'est que personne ne savait en faire. Donc il y avait une horde d'abrutis qui étaient en snowboard sur les pistes mais qui ne savaient pas en faire. Ils descendaient en snowboard comme ça sans pouvoir vraiment manœuvrer, sans pouvoir vraiment s'arrêter parce qu'il n'y avait pas de moniteur de snowboard à cette époque-là. Donc en fait ils mettaient en danger les autres. Je me souviens, j'étais petit, j'avais peut-être 11-12 ans par là, donc j'avais un peu peur, comme c'était des gens qui étaient souvent peut-être deux fois plus grands que moi, par exemple, qui allaient très vite, donc s'ils me rentraient dedans, c'était très dangereux. Et donc, je pensais que ce serait qu'au début, des gens, ils ne savent pas faire de snowboard, ça vient d'arriver, bon. Puis en fait, non, parce que tout est devenu comme ça, tout a empiré dans les stations de ski. C'est ensuite, le prix a beaucoup augmenté pour pas grand-chose, en fait. Ils demandent toujours des garanties aux clients, des. Puis bon, je disais, une fois, oui, il y a le frigo qui est tombé en panne, mais bon, évidemment, là, il y a une inspection à la fin pour voir si vous n'avez pas volé une assiette ou trois fourchettes. Mais bon, si le frigo tombe en panne, vous n'aurez pas de réduction sur le prix du séjour. Donc on voit bien où est leur hypocrisie. C'est pas une question de qualité ni quoi que ce soit, c'est uniquement pour faire du fric et du fric. Donc bien sûr, comme au début, c'était plus difficile d'accès. Donc les stations de ski, c'était surtout les passionnés, les gens intéressés qui voulaient aussi être dans la nature, s'éloigner de la ville et des choses comme ça qui respectaient quand même la nature. Donc maintenant c'est tout le contraire, parce qu'on voit bien même dans les reportages, on voit la télé sur les stations de ski, ce sont des. En fait, c'est devenu des grandes surfaces en montagne, c'est tout. Parce qu'il y a aussi le problème des skieurs qui font n'importe quoi, n'importe comment, qui s'est beaucoup développé. Les skieurs, par exemple, qui vont à fond dans les pistes vertes, il y a plein même des enfants assez jeunes qui commencent d'essayer de faire du ski, qui utilisent réellement les autres personnes comme des poteaux de slalom, qui vont très vite. Bien sûr, là, vous ne verrez jamais les personnes de ski, ni les gendarmes, ni quoi que ce soit, leur dire quoi que ce soit. Ah oui, une fois, j'ai un skieur, enfin, je skiais normalement. Puis lui vient me gueuler, je sais pas quoi, que j'étais au milieu de la piste ou je sais pas trop quoi. Enfin, après, il va se plaindre avec ses copains là, j'étais au milieu de la piste ou je sais pas trop quoi. Enfin, je sais pas que c'était encore se dégénérer. Enfin, c'est encore les énergumènes qui sont complètement à côté de la plaque. J'ai même arrêté de. Enfin, là, j'ai dit il y a 3-4 ans, mais c'était le matin s'il y a plus de temps. Hein. Nettement plus de temps, peut-être une dizaine d'années que j'ai arrêté d'aller au ski tellement c'est devenu ennuyeux. Parce que même dangereux, parce qu'une fois, une dernière fois, je pense que la dernière fois de station de ski, là, je parle des grandes stations de ski connues, autour d'Annecy, enfin de Savoie, de Savoie, et comme ça, dans les Alpes. C'est-à-dire on est à la file d'attente, puis tout d'un coup, il y a les cabines qui arrivent, puis je commence de monter, puis il y a un groupe qui me pousse carrément pour monter alors que j'étais enfin devant eux. Puis résultat, j'ai failli, je sais plus si j'ai pu monter ou si j'ai dû attendre encore la prochaine fois, parce que c'est hyper dangereux, parce qu'ils m'ont poussé quand je montais, donc j'aurais pu me casser la gueule et tomber à la limite à côté dans le truc où les cabines arrivent là. Enfin, puis là, vous verrez pas le personnel qui était à côté leur dire quoi que ce soit, ils trouvent ça normal. Le problème, c'est au début, c'est souvent comme ça, au début c'est bien, puis ensuite ce sont les. C'est les. Comment dire, c'est les nuisibles qui sont encouragés et privilégiés. Donc je dis, je fais tomber. Il y a même une. Ah oui, non, ça, les employés, ils étaient occupés, ils se mettaient à gueuler. Quand il n'y avait pas de problème, ils gueulaient. Ils gueulaient sur les gens, je sais plus ce qu'ils gueulaient. Puis quand il y avait un problème, ils disaient rien. Puis donc une autre fois, enfin aussi, hein, je me reposais, je ne sais plus où, ben, la station. Puis d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté de moi qui me jette une canette sur moi.
Donc ces stations de ski, hein, mais vous le verrez après, ce que je dis après, c'est devenu le comble du manque de respect. Dire plus les gens manquent de respect, plus ils vous ennuient, plus ils se croient les spécialistes, là, ce qui doit être un peu les chefs, là, les privilégiés, simplement parce que ce sont des nuisibles. Donc, une autre fois, il n'y avait plus qu'une piste d'ouverte parce qu'il y a du mauvais temps qui arrivait. C'était une piste qui était pas mal. Puis on arrive donc pour monter dans, je sais plus, c'était des petites cabines, des œufs ou je sais plus quoi. Puis une bonne femme qui était là, puis qui disait à des gens, il y avait une famille qui leur disait non, non, vous attendez là, puis elle laissait des autres monter, puis ils attendaient depuis peut-être 10 minutes, je sais plus. Puis elle ne les laissait jamais monter, puis enfin, je sais même pas pourquoi elle faisait ça. Elle laissait pas monter dans l'ordre d'arrivée. Puis là ensuite j'arrive à la cabine. Puis je vous les mets comme d'habitude, et puis tout d'un coup je sens mes muscles qui partent, qui sont tirés très fort. Puis c'est un type qui me les arrachait des mains littéralement. Donc si j'avais eu les doigts un peu vers les, comment on dit, enfin vers les fixations, vers les trucs, j'aurais pu me casser un doigt ou n'importe quoi. Puis je sais même pas qui c'était ce type. Bon, je retire les skis, je me demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Puis en fait, c'était un type de la station il prenait vos skis comme ça, puis les mettait donc dans la cabine, dans le truc de la cabine prévue à cet effet, mais. Il le faisait sans prévenir, tout d'un coup, quand on regarde pas, puis, mais quand on regardait pas, puis d'un coup il arrache les skis des mains là, comme s'il voulait vous les voler. Enfin, mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Puis ensuite, c'est dégénéré. Pour vraiment, ils ont appelé la gendarmerie pour ça, parce que quand je revenais, j'avais fini le circuit, puis la descente de la piste, puis je revenais, puis il y avait une gendarme qui était là. Ils sont avec leur air là, toujours de péter coupe leur cul, là, de se prendre pour les chefs là, qui savent tout mieux, alors que c'est des brinquins qui viennent qu'emmerder les pauvres victimes qui veulent, ou bien les gens comme moi qui veulent que ça se passe bien. Donc je sais pas quoi, là, elle va vers l'autre bonne femme, elle dit c'est la bonne femme là qui mettait les gens n'importe comment, attendre pour rien, elle lui dit c'est ce que vous faites. Puis enfin, elle lui dit ah oui, elle dit quoi, une autre phrase, quelques instants après. Oui, je sais plus ce qu'elle dit, un truc du genre c'est pour aider. Enfin, mais toujours d'un ton, puis elle est toujours une thé, vous voyez, ils ont toujours un air fâché, je sais pas à quoi là. Puis après j'arrive pour monter là, puis elle me dit il y va tout seul. Je sais pas pourquoi, enfin vous voyez ce qui arrive quoi, quand on veut que ça se passe bien, quand on est ennuyé, ben là, ils appellent les flics pour vous punir et vous faire aller tout seul, quoi. Vous voyez l'ambiance des stations de ski, ça dit. Enfin, vous verrez même après avec d'autres exemples, ça devient pourri par les gendarmes, quoi. Soit comme ça, au début ça se passe bien, puis après ils se développent, puis ils pètent pour leur cul là, à faire tout n'importe quoi, n'importe comment, au nom de la sécurité, de la morale et je sais pas à quoi. Mais bon, il y a toujours des problèmes. J'avais quoi une nouvelle il y a quelques années où une bonne femme avait été aspirée par une dameuse, donc elle avait été tuée sur le coup. Puis c'est ces mêmes gens qui organisent ça qui vont nous faire la morale, hein. Et oui, quand on descendait au ski, là, je vois après, je descendais. On a parlé de skieurs imprudents, mais je descendais là, sur la piste. Et puis il y a des sortes un peu des bosses de crues relativement grandes. Donc quand on arrivait au niveau du bas d'une bosse, on voyait pas ce qu'il y avait après. Puis là, tout d'un coup, heureusement que je l'ai vu juste avant, tout d'un coup, à quelques mètres de moi, 2-3 mètres, une dameuse qui remonte la piste très vite. Mais on l'entendait même pas, parce qu'on a toujours un casque sur les oreilles, donc on n'entendait même pas. Puis elle arrivait très très vite, elle remontait très vite. On ne pouvait pas la voir avant qu'elle arrive, mais bon, ça les dérange pas, quoi. C'est eux qui mettent en danger les skieurs et qui ensuite vont faire la morale. Il y avait aussi, oui, j'ai vu qu'il y avait quoi, 3-4 policiers, là, de policiers municipaux pour surveiller un simple parking. Enfin, chaque rond-point, il y avait 3-4 policiers à chaque rond-point. Dans les petits villages là, des stations de ski, enfin c'est des dégénérés quoi, c'est plus des stations de ski, c'est des prisons en fait. Oui, comme je disais, donc par contre quand il y a des vrais dangers, là les flics, les responsables de station, je sais pas quoi, vous pouvez les assurer que vous les verrez jamais. Hein. Il y a aussi des problèmes, même ça devient même infesté par des, je pense, des pédophiles ou des gens comme ça, quoi. Avec tous les riches, la clientèle de riches qui arrivent, tout ça, c'est un ramassis de pédophiles. Il y avait donc on arrivait à une grande station, c'était un samedi, donc le jour des départs arrivés. Puis avec un seul guichet ouvert, donc une énorme attente. Enfin, puis j'étais dans un fil d'attente. Puis tout d'un coup, je sens un truc bizarre là, réellement qui met un type derrière, qui met son pénis entre les fesses. J'avance un enfin, au début, j'ai pas vu, je me demande ce que c'est. Puis je regarde derrière, il y avait un type qui était un peu plus grand que moi qui regardait mes fesses. Comme ça, puis j'ai avancé, il a rien dit, puis il y avait trois bonnes femmes à côté qui regardaient comme ça.
Puis voilà, c'est normal, donc personne n'aurait rien à dire. Enfin, vous voyez tous les tarés qui viennent au ski uniquement pour vous harceler. Oui, aussi le fait que maintenant on demande des assurances en plus en cas de secours pour les stations de ski. Mais bon, je croyais qu'en France c'était gratuit les secours. Mais apparemment, les stations de ski, c'est pas en France. Mais bon, vu tout le fric qui se font avec le prix qui a augmenté, tous les commerces, tous les machins qu'il y a, il pourra quand même faire ça gratuitement. Hein. Je veux dire, sur le budget total, ça doit quand même pas. Ça ne doit pas représenter énormément, hein, parce que bon, quand on est victime d'accident, il ne faut pas exprès. Les gens qui font exprès de causer d'accident dans les cas où ils seraient responsables, je veux dire, de l'accident, quoi, je veux dire, c'est quand même pas un cas extrêmement rare. Hein, donc, bon. Mais bon, c'est encore toujours pour faire du fric, faire plus de fric. Hein, y a pas de... Ah oui, puis là, il y a même des. Je ne l'ai pas vu ça parce que j'ai arrêté d'aller skier avant que ça arrive. Ça se développe très bien en plus, il paraît, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement débiles, hein, qui vont au ski pour aller en boîte de nuit. Hein. Vous imaginez, moi je vais en boîte de nuit avec mes skis, enfin non mais n'importe quoi. C'est des lieux naturels, tranquilles, puis ça devient des villages, même des boîtes de nuit à ciel ouvert. On va se plaindre aussi qu'il y a de plus en plus d'accidents comme ça, mais on autorise des sortes de boîtes de nuit. C'est-à-dire boîtes de nuit, c'est donc des boîtes à alcool, hein, où les gens vont se brûler la gueule, c'est tout. Donc il y a quelqu'un qui me disait qu'il a même vu une boîte de nuit, c'était pas en bas des pistes, c'était au milieu de la piste. Donc les skieurs, ils sont obligés de redescendre avec les skis après s'être bien bourré la gueule. Puis ils entendaient le bruit de la boîte de nuit, ils me disaient je sais pas, à 500 mètres ou comme ça. Donc c'est ça génial, vous êtes dans la nature, c'est calme, tranquille. Vous vous retrouvez avec des gens qui se bourrent la gueule, qui sont dangereux, qui sont bourrés, qui font du ski bourré. Puis qui se. Bon, en plus, vous avez le bruit de la boîte de nuit, puis bon. Ensuite, on vient vous faire la morale. Bah oui, on va faire la morale, j'ai vu des reportages où. Les gendarmes au bas des carrés au bas des pistes des skis de vitesse où il y avait trois gendarmes qui disaient oh là là les gens il y a des accidents au croisement alors on demande aux gens de ralentir donc évidemment c'était pas vrai parce que je me demande si c'était pas d'ailleurs il me semblait reconnaître où j'étais déjà allé. Vous voyez nettement que la piste c'était le bas de la piste mais ça revenait petit à petit plat puis un grand enfin des centaines de mètres où ça c'était pratiquement plat donc il y avait aucun danger là les skieurs arrivaient tranquillement il y avait. C'est les genres d'endroits où il n'y a aucun danger, quoi. On ralentit tranquillement. Puis il y a trois gendarmes. Puis évidemment, c'est eux qui provoquaient ce qu'ils prétendaient éviter, parce qu'ils étaient là. Puis il y avait des snowboards qui passaient rapidement, là, ils ne leur disaient rien. Puis dans le reportage, on voyait un skieur qui passe. Puis c'est le gendarme qui lui dit, qui se tourne vers lui quand il passe pas très loin. Il ne pas très vite. En plus, il lui dit attention, attention, comme si le gendarme allait lui sauter dessus. Donc le skieur dit mais tout loin, il se casse la gueule. Et donc, c'est ce que les gendarmes appellent faire de la prévention. Donc, ils se mettent en bas des pistes en piéton où c'est très dangereux, où il n'y a jamais de piéton qui passe. Donc, ceux qui se mettent en faute, en plus, ils vont faire la morale. S'il y a un skieur qui passe à côté, normalement, il fait semblant de lui sauter dessus pour le faire tomber. Et ensuite, c'est donc eux qui viennent faire la morale sur les dangers des stations de ski. Enfin, on atteint le délire le plus total. Hein. Puis là, c'est pas des trucs enfin, rigolos, hein. C'est extrêmement dangereux de faire ça. Donc bien sûr, on autorise à ouvrir les boîtes de nuit en plein milieu des stations de ski, des pistes de ski même, là, vous verrez pas les gendarmes aller faire la morale au patron ni quoi que ce soit. Ah bah oui, parce que là c'est autorisé, bah oui, parce que les nuisances qui sont autorisées par le pouvoir, ah bah c'est normal, enfin c'est normal entre guillemets, là les gendarmes, bah, ils diront rien parce qu'ils sont d'accord avec ça. Donc c'est encore un ramassis de dangereux tarés qui viennent vous faire la morale pour rien. Donc en fait, ah oui, il y a aussi, je me souviens une fois, il y a un cousin qui tenait avec moi. On a à peine arrivé dans le logement. J'ai senti une ambiance mauvaise. Je sais plus, c'était une des dernières fois que je suis allé au ski, puis il s'est barré directement. On est chez lui en prenant un bus ou je sais plus à quoi, tellement non, ça devenait ennuyeux. C'est des riches, parce qu'il y a plein de riches maintenant qui arrivent. Oui, parce qu'il disait qu'on l'empêchait d'avoir des amis, et c'est vrai, c'est devenu absolument pas amical, hein, les stations de ski, c'est. Station de ski, c'est maintenant une majorité de gros bourrins qui y vont pour se la péter d'aller au ski, quoi, en fait, et tout. Ça fait bien, ouais, j'ai posté ma photo Instagram d'aller au ski, ouais, trop génial. Mais le problème aussi, c'est les gens, ils y vont, on fait de la pub partout pour les stations de ski, mais c'est pas comme aller au bord de la mer ou rester assis, couché sur un transat. En station de ski, il fait très froid, c'est des conditions qui peuvent être dangereuses, c'est très froid, c'est des conditions très inhabituelles. Si on n'est pas habitué, moi j'étais habitué parce que je suis allé depuis petit, mais. Quand vous n'êtes pas habitué à faire du sport ni quoi que ce soit, vous y allez, il fait très froid, c'est très sportif. Allez, si vous allez au ski, c'est comme des grandes randonnées, des grandes marches de randonnée. C'est très dangereux d'y aller là sans le minimum d'entraînement, de connaissances. Mais bon, les pouvoirs publics autorisent ça au prétexte que ça fait plein de fric. Il y a des articles où je disais que comme maintenant ça manque de neige, des responsables de stations de ski qui veulent utiliser les réserves d'eau potable pour faire de la neige artificielle. Donc c'est génial, hein.
Vous ne pourrez plus vous boire de l'eau. Il y aura une pénurie d'eau, mais vous pourrez aller dans les stations de ski qui auront utilisé l'eau pour faire de la neige et vous bourrer la gueule dans les boîtes de nuit, parce qu'il n'y aura plus que de l'alcool comme l'alcool à boire et plus d'eau en fait. C'est génial, et bien sûr, tous les responsables les politiques et tout ça sont d'accord avec ça, au prétexte que bon, ça fait du fric quoi. Que ça rapporte plein de fric, bon, ils sont d'accord de toute façon. Donc vous pouvez aussi chercher sur les documentaires, là sur YouTube, sur les stations de ski, où c'est. Bien sûr, c'est pas critiqué, c'est présenté comme une réussite de développement, mais vous voyez bien ce qui se passe. Donc dans ce reportage, je vais plutôt montrer les commentaires parce qu'ils résument bien la situation. Donc il y a celui-là, hein, parce qu'on voit dans le reportage, c'est les flics bien sûr qui s'en prennent toujours aux petits jeunes sans pouvoir, là. Par contre, les riches russes qui ont eu tout leur fric, hein, je sais pas, hein, dans du trafic de drogue, du proxénétisme ou de la pédophilie, ça, bien sûr, là, vous verrez jamais les gendarmes leur dire le moindre mot, hein. Ils s'en prennent toujours aux petits pour se faire passer pour les plus forts, mais dès qu'ils voient un riche russe, qu'est-ce que je dis, moi? Dès qu'ils voient un russe riche, là ils chient dans leur froc des fois que le russe soit pas content et qu'ils appellent je sais pas, ils appellent le patron de la gendarmerie, là, je suis russe, il y a un flic qui m'a regardé de travers, nia, nia. Le flic il se fait virer direct. Hein. Il se fait virer direct, limite on va pas le foutre en taule, mais bon. Donc c'est donc bien sûr les riches qui dirigent tout maintenant dans les stations de ski. Ce sont des malades, donc il y a pas mal de commentaires intéressants sur ce reportage-là. Je sais pas pourquoi spécialement celui-là. Enfin, si je me souviens, c'était comme très visible dans le reportage, la différence de traitement, la justice. Vous pouvez lire là, en même temps que la vidéo, mettez sur pause si vous voulez lire tous les commentaires là. Ce sont des fous dangereux parce que, comme je disais, bien sûr, ils s'en prennent toujours aux petits, enfin aux gens qui font rien de mal, mais quand on dit les vrais dangereux qui arrivent, donc comme la mafia russe, les gens très dangereux sur les stations de ski, bien là, bien sûr, les flics, les autorités, quoi que ce soit, vous pouvez être sûr qu'ils diront rien. Quand on dirait qu'ils diront rien, c'est absolument rien. Ah oui, tiens, je me souviens aussi, maintenant, il y a eu des problèmes aussi avec des. Comment on dit, les. Pas les maîtres nageurs, mais ceux qui font les. Les, qui éduquent les enfants là pour le ski, enfin les moniteurs de ski, oui, je ne trouve plus mes mots. Donc en fait, une fois, j'en voyais deux, ils descendaient une pente, puis ils faisaient, enfin, je sais pas comment dire, je voyais qu'ils allaient se rentrer dedans, continuer comme ça, ils avaient des gens derrière, puis ils sont effectivement rentrés dedans. Je me demande limite s'ils n'ont pas fait exprès, quoi, parce que ça se voyait. Une autre fois, il y en avait un qui prenait toute la piste. Mais quand je dis toute la piste, ils se prennent pour les propriétaires des pistes, c'est ça le problème. Prenait toute la piste de long en large, donc il bouchait tout le temps la piste, il pouvait pas l'utiliser, donc moi je suis descendu la piste, je passais à côté, puis il commençait à me gueuler dessus comme un maboule parce que je passais à côté, alors que c'est lui qui bouchait toute la piste tout le temps, quoi, qui croyait que ça tous les tours étaient réservés. En plus il faisait ça, puis il n'y avait pas beaucoup de monde, donc il pouvait laisser, même en prenant la moitié de la piste, il y aurait bien assez de place. Enfin bon, c'est des crétins, des crétins finis qui pètent pour que leur cul, hein, c'est. Je n'ai plus aucune envie, moi, d'aller dans les stations de ski où c'est les crétins, les abuseurs, les pédophiles, les mafieux, les criminels alliés avec la gendarmerie, avec les autorités locales qui font la loi au prétexte du fric. Ah oui, c'est parce que dans le reportage, il y avait aussi un type que j'ai pu le choper 15 juin. Enfin, les flics, là, ils faisaient comme s'ils avaient arrêté le gros poney, là, du trafic de drogue, d'un pauvre type avec son joint de shit, là, qui ennuyait pas, qui faisait de mal à personne, qu'ils ont arrêté, là. Enfin, c'est les abrutis, mais complets, quoi. N'importe quoi, ils sont complètement dégénérés. Je me souviens, oui, dans un reportage, plus c'est celui-là, où les flics, là, ils viennent contrôler les gens sur les pistes de ski, là, que t'es pas des. Enfin, ils disaient que c'était de la drogue ou je sais pas quoi. Enfin, mais bon, c'est pas compliqué, c'est tout simplement dès que vous aimez faire quelque chose, les flics, vous pouvez pas vous en passer, les flics viennent harceler au prétexte de la drogue, en fait. Parce que pour eux, une drogue, c'est pas la substance, la drogue, c'est. Une drogue, c'est quand vous êtes. Du coup, vous pouvez pas vous en passer, quoi. Comme si ils vous accusent de pas pouvoir vous passer, là, d'aller en vacances au ski, d'aller un peu vite sur les pistes de ski de vitesse. Enfin, bientôt, on va être emprisonné parce qu'on peut pas s'empêcher de respirer aussi. Enfin, ça va bientôt arriver, ce genre de conneries. Avec ces dégénérés, là, c'est complètement abruti et dangereux, qui se prennent pour des chefs d'être finalement que des nuisibles.